Bonjour à tous et à toutes, ici Just des Ténèbres, aujourd'hui on se retrouve sur Dishonored. On va pouvoir aller parler à Lord Pendleton immédiatement, il veut encore nous voir. Ok, pourquoi pas là-haut, hein. Voilà. Votre attention, citoyen. Bien joué, nous nous sommes débarrassés d'une femme et une noble de surcroît. Cette Boyle était une vipère. Elle a aidé le Lord Régent à tuer l'impératrice. Je n'ai donc aucun regret. Tant mieux, tant mieux. Pour ma part, j'ai entendu que vous aviez défendu mon nom d'une façon plutôt spectaculaire et en prenant des risques. Je tiens à vous remercier. Ce petit objet a aidé ma famille depuis des générations. Mais je crois qu'il vous sera bien plus utile. Espérons que ça va m'aider aussi. Prenez-le. La nuit a été longue pour vous, Corvo, mais elle n'est pas encore finie. Avlok et Martin vous ont déjà préparé autre chose. Ils veulent vous voir tout de suite, dans les quartiers d'Avlok, au-dessus du bar. Bon, mais ça va être reparti assez vite. Oh, votre attention, citoyen de Don. Comment est-ce que ça a pu aider sa famille pendant des années? Donc. Non, je crois qu'on va attendre pour possession, quelque chose du genre, voilà. Ça sera bien. Et allons dans les quartiers d'Avlok. Reste interdite pendant l'enquête en cours. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est ici? Oui. Corvo, l'heure est venue. Tout ce que nous avons fait, tout ce que vous avez fait, c'était pour que ce moment arrive. Le Lord Régent est exposé, Corvo. Il est vulnérable. Tout est maintenant en place pour s'en occuper. Nous sommes à deux pas du trône. Un seul homme, un seul cœur qui bat. Voilà tout ce qu'il reste des forces qui ont amené cette ville au bord de la ruine. C'est simple, mais ce sera tout sauf facile. Le Lord Régent est plus paranoïaque que jamais. Il n'a plus le soutien des superviseurs, ni du Parlement. Il n'a plus de financement et il n'a plus Sokolov, qui a créé sa technologie de sécurité. Tant mieux. C'est à Dunwall Tower qu'il a rassemblé tous les hommes qui sont restés loyaux envers lui. Il sait que quelque chose se prépare. Il sait que vous venez. Et il faut tout faire pour lui donner raison. Pierrot va vous assister, puis Samuel vous rapprochera de la tour, près de l'écluse. Tout ce cauchemar a commencé lors de votre dernière venue là-bas. Il est temps d'aller y mettre fin. Bonne chance, Corvo. On ne voit pas ce qu'on peut dire de plus, sinon que nos espoirs reposent sur vous. Dans ce cas-là, c'est parti. Hop. Salut, chérie. Chérie. Une fois, je me suis invitée à une fête chez les Boimsley. C'était plutôt Allons-y. On descend et allons voir Pierrot. Savoir s'il peut peut-être nous fabriquer quelque chose. Est-ce que t'es là, Pierrot? Oui, t'es là. Parfait. Vous voulez que je fabrique quelque chose pour vous? Je peux tout faire. Enfin, presque. Bah oui, je voudrais bien. Je voudrais acheter quelque chose. Alors, on a quand même 3600 pièces. C'est pas mal, pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter? Réserve. Pistolet de Corvo, je sais pas, porter des spirales, c'est pas vraiment des objets qu'on utilise, complément de charme d'os, pourquoi pas, encore, ok, ça c'est bon, achat, on va réacheter, 10 ici, si on va s'en vendre quelques-unes, voilà, ça a coûté bien cher ça, spirale, bon, on va en prendre une de chaque encore, 25 c'est bon. Et pour finir, il nous reste 1000 pièces. Réserve de balles. Non, pas vraiment utile. Pistolet de Corvo, pourquoi pas. Précision du pistolet. Chargeur de pistolet. Alors ça, c'est pas mal si je me souviens bien. Voilà. Ça nous permet d'avoir des trucs plutôt intéressants. Si on regarde maintenant notre pistolet, hop. Voilà. Salutations, Corvo. Et on a que vous avez double balle. Voilà, si on regarde. Tac. Tac. Et ensuite en charge. Donc c'est plutôt bien. Ensuite on peut le monter à 3, à 4, ce qui fait que le pistolet devient presque une mitraillette. Hop. On peut ranger ça. J'avais oublié que quand on sautait, x2 maintenant. Le Lord Régent, il est temps qu'on s'occupe de lui. Eh oui. Plus que temps. Allons-y. Vous avez raison. Allons à Dunwall Tower. Tam 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 tam. Voilà, temps de mettre fin au règne du Lord Régent. Je pense pas que c'est le dernier épisode, puisque ça sera le dernier, la dernière mission plutôt. Nous y voilà.
Non, je crois qu'il m'en reste les souvenirs de Dunwall Tower n'ont rien de réjouissant, pas vrai. Alors c'est le moment de remettre les pendules à l'heure. Ça va faire une sacrée grimpette depuis les Louvres. Ouais, ouais, ouais. La priorité, c'est d'abattre le Lord Régent. Il s'est construit un joli bunker en haut de la tour. La salle sécurisée, qu'il appelle. Il est complètement frappé. Bah, quitte à jouer les touristes, il y a un autre endroit qui vous le détourne encore. La station de radiodiffusion. C'est de là qu'ils diffusent leurs annonces. Ça vaut le coup d'y jeter un œil. Vous êtes prêts ? La prochaine fois qu'on se verra, le Lord Régent sera mort. Sinon, j'aurai eu l'honneur de servir à vos côtés. Allons-y. Donc, par où est-ce qu'on passe ? Journal de mise à jour. Objet de mission n'a rien. Le moment est venu de mettre un terme au règne illégitime du Lord Régent Hiram Bureau. Pouvoir, on va rien prendre pour l'instant. Et je pense qu'on va monter par là. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a une façon de monter là? On dirait pas. Hop, on pourra sûrement pas faire le chemin comme ça. Alors par où est-ce qu'on peut passer? Ça, par contre, j'aime pas trop que quand je laisse appuyer sur espace, ça me fait resauter comme ça. Alors par où est-ce qu'on peut passer? Bon, par l'intérieur des écluses, je supposais. Ok, ok, bah oui, ça devrait être par là. Ok, alors on va faire un petit vision des ténèbres, voir si on voit quelqu'un. On ne dirait pas pour l'instant, tant mieux. Ça n'a pas marché comme je voulais. Voilà, je vois un petit rat, mais à part ça, je vois pas grand chose. Ok, ça c'est bon. Continue à monter, ça fait pas mal de bruit. Ah, un rat saleté, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Voilà, donc là, il n'y a rien jusqu'ici. Monter par là, on dirait pas. Comment on fait pour monter là-haut? Oups, raté. Raté, raté, raté. Là, on va réessayer. Hop, ça c'est bon. Réessayer ça. Okay, on peut s'avancer encore un petit peu. Voilà. Là, on l'atteint pas là. Dessus. Hop, là ils sont en haut, c'est bon. Comment est-ce qu'on fait ça? Je pense que je préfère être de ce côté là. Voilà, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a ici? Hop, ici donc il n'y a rien du tout. À part un cadavre et un charme boss. Pardon mon petit monsieur. Ouf. Lui il est bien magané. Il cachait son trésor. On peut pas passer par là, mais on dirait qu'on peut peut-être passer en face. S'il vous plaît les petits rats, venez pas m'attaquer. Ok, on va repartir de l'autre côté. Au cas où. Ah, j'ai même pas vu ce tuyau là. Je crois pas que ça nous change grand chose honnêtement. On va descendre ici. Okay. Il y a pas mal de rats là. Vision des ténèbres. Alors il y a une personne au moins. Deux. Beaucoup beaucoup de rats. Et un fil. Et une Tesla dans cette pièce.
ça, ça sera pas génial. Bon, on va aller jeter un coup d'œil, je pense. Voilà, ok, ouais, c'est bien ça. Le système d'alarme. Pour l'éteindre, beaucoup plus loin. Donc, il va falloir faire le tour. On peut pas vraiment passer par là. Oh, ça c'est bien, je l'avais pas vu. Très très bien, ça va nous permettre de faire le tour. Personnel de Dunwall Tower. Tous les nouveaux rapports de mission sont à remettre à l'officier de garde. On peut continuer comme ça si on veut, mais je pense pas qu'on va faire ça. On va rester, essayer de trouver autre chose à l'intérieur. Voilà. Okay. Ici on peut pas faire. On va faire une mission des ténèbres. Quelqu'un au-dessus de nous. Quelqu'un là-bas. Et ça a l'air d'être à peu près tout. Alors, si on fait ça et qu'on sort arbalète cerveau anesthésiant. Voilà. On va la porter un petit peu plus loin, voilà, tout simplement. Ici, remède de Pierrot, un petit peu de nourriture. Ça, c'est parfait. Et là, par contre, on va plier les méchants. C'est pas génial. Est-ce qu'on peut faire le tour sur le côté? Ici, voilà. S'il y a la Tesla, on peut regarder ce qu'il y a d'autre. Je pense pas qu'elle va nous attaquer à cette distance. Ça a l'air bon. Je sais pas à quelle distance en fait elle commence à nous attaquer, mais je pense pas qu'on pourra faire le tour. On va remonter, c'est pas grave. Et regardez où sont. Ok, lui il est toujours là et il y a un autre qui est là-bas. On peut pas faire grand chose pour l'instant. On va se cacher. Dommage, là je sais pas pourquoi on peut pas les voir. Je sais pas, les murs qui nous empêche d'utiliser nos pouvoirs, je ne saurais pas dire exactement. Parce que là on voit bien qu'il est là. L'autre est là-bas. Ok, on va annuler ça. Il s'approchait un petit peu trop à mon goût. Ok, là au moins on peut le voir. Oh. Oh non, c'est rien. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, au cas où on va sortir les carreaux anesthésiens, on sait jamais. Voilà. T'inquiète pas. Il faut que tu fasses demi-tour, toi. Je veux que tu fasses demi-tour, arrête de fumer un peu. La cigarette qui va le tuer avant que je le tue si ça continue. Mais t'es capable, fais le tour. Ah. Clé de la porte latérale de plus, voilà. Alors ça je pense que ça sera très bien. Voilà. On s'assure que l'autre n'a rien remarqué. Il est encore bien loin. Là-bas, il n'y a personne d'autre. Ça c'est bon. On va essayer de passer par le toit pour voir. Est-ce qu'on peut passer par le toit? Non, c'est pas ce que je voulais faire. Oup, il se rapproche. On va voir ce qu'on peut faire avec lui. Rendu. Ok, il est là-bas. Sauf que là, il y a deux personnes au fond aussi. C'est pas fantastique. On va essayer de se glisser comme ça. On ne voit pas encore. Est-ce qu'on peut monter sur ces lances?
Ok. Ça, c'est parfait. Voilà, eux, je crois pas qu'ils vont nous voir là-bas si je l'attrape. Faut juste attendre encore un petit peu. J'ai pas envie de le tuer. C'est encore mieux s'il va dans cette direction. Voilà. Ouais, on va l'amener. Pas de problème. À la même place que les autres, ramasser ce pistolet. On en aura sûrement besoin. Bon, j'espère pas, mais ça se pourrait qu'on en trouve une utilité. Ok, ça c'est bon. Ok, là ils sont quand même deux assez proches, donc ça va être dur. Okay, là il y a un système d'alarme qu'il va falloir désactiver. Est-ce qu'on peut voir où il est relié? Ah, on dirait pas. Oh, il y a un... Il y a un big boy. Il va falloir faire attention. Ok, le moyen pour l'éteindre est juste de l'autre côté. Ça, c'est bon. Par contre, ça, c'est juste le signal d'alarme. Pas très utile. C'est ça que je peux faire. Par contre là, je vois pas où sont les deux gardes. Ça c'est un petit peu dérangeant. Ah, ils sont pas là, on dirait. On va en profiter. On va aller de ce côté voir ce qu'il y avait. Ben, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. Ah, ça par contre ça peut être intéressant. Si je tombe pas. Voilà, voilà, ça c'est bon, on a pu monter là-dessus déjà. Ok, alors il y a quelques, quelques big boys on dirait. Il y en a un ici. Là je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est voilà, c'est ici que l'impératrice a été tuée, c'est par ici qu'arrivaient les assassins. Et la tour, ça doit être celle-là je suppose, c'était pas là avant. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On se met pile au plus haut point. On va regarder le cœur. Une rune là-bas. Une rune là-bas. De nouvelles towers. Il n'y a pas de rune là. Ça, c'est bon. Peut-être un truc que j'ai oublié. Charme d'os. Oui. Alors, on peut en rajouter quelques-uns puisqu'on a acheté des pièces en plus. Les grenades ennemies mettent plus de temps, c'est pas grave. Vous étouffez les ennemis, combattants agiles. Ça c'est bien. Posséder les rats blancs plus longtemps, je sais pas si c'est vraiment utile. Augmente légèrement la vie restaurée par les potions, pourquoi pas. Et augmente légèrement la mana restaurée par les potions, pourquoi pas non plus. Si la ville est emportée par la peste ou consumée par les flammes, Dunwall Tower serait la dernière à tomber. Oui, ben ça faut s'y attendre un petit peu, c'est certain. Voilà, belle ville en arrière qu'on peut voir, ben, belle ville. Il n'y a pas beaucoup de lumière, elle est plutôt en décadence en ce moment. Mais comment est-ce qu'on va faire pour passer là? Là voilà, on voit qu'il y a des gardes, on voit qu'il y a du monde un peu partout. Faudrait tuer le big boy en fait. Celui-là il faudrait l'avoir. Par contre je sais pas quand on le tue sans déclencher l'alarme générale. Est-ce qu'on peut aller loin avec ça? Non, mais on pourrait jouer à cache-cache avec le big boy et partir plus loin. Par exemple on pourrait aller là, puis attendre un peu. Il y a quelques rats, c'est pas grave. Ok, le big boy est là. Je vais chercher le petit flacon d'huile. Prendre mes pièces d'or. Petit câblage, j'en ai déjà trop. Allô les petits rats. Ok, ok, qu'est-ce que je pourrais utiliser pour le tuer? Possession, je pense. Je peux pas encore le contrôler. Mine de proximité, carreau, anesthésion. Pas sûr que c'est le fasse effet.
Là, il est là, tranquille. Et en fait, je pense que ils ont été construits en fait pour résister aux rats, en fait, je pense. Ok, là, il s'en va. Ici, s'il y a personne. Hop, on va enlever ça. Oh, oh. Qu'est-ce qu'elle fait là? Vous n'aimez pas le paysage? Je trouve le coin sinistre. Pourquoi ça? C'est ici que cette vermine d'assassins a tué l'impératrice. Redescendre un peu. C'est depuis ce jour que tout a empiré. Un jour de triste mémoire, mais tout n'était pas rose avec la peste. Alors bon, inutile de ruminer. Permettez que je vous réconforte. Je dois retourner travailler. Puis-je passer vous voir un peu plus tard? Je ne crois pas que ce soit une bonne idée ce soir. Ok, cela s'en va au moins, c'est déjà ça. Est-ce qu'on peut monter? Hop, voilà. Ça c'est bon. Au moins je suis content qu'on ait le double saut. Ça nous permet de faire ces petits trucs. Si on va faire attention à cette tour là. Qu'est-ce qu'on a d'autre autour? Ici je pense pas qu'on puisse faire grand chose avec ça. Pour longer ce mur là. Il y a des barbelés, ensuite on pourrait pas aller très loin. Aller en arrière. Si au moins on n'avait plus à posséder pour parcourir ce terrain un petit peu. Vision des ténèbres, je pense pas que ça va nous être très utile. C'est pas vraiment utile ça. Prendre le contrôle de quelqu'un non plus. Plus temporel. Là vraiment je pense que je suis coincé. Je vois pas tout à fait comment traverser sans pouvoir arrêter le temps, c'est sûr. Mais est-ce que c'est la meilleure idée? Bon, peut-être ce qu'on pourrait faire. C'est là, il y a... voilà, ici. Ici, on peut tenir un bon petit moment. En tout cas, suffisamment longtemps pour sauter là-bas. Voilà. Ça c'est parfait, le big boy qui nous verra pas. Comment on est placé? Eux, j'espère qu'ils vont pas nous voir. Ouf, voilà. Lui il nous a presque vu. On va ressortir le cœur. Rune et rune là-bas. Ok, ici tout va bien. Ah, on y arrive presque. Pas tout à fait malheureusement. Ça ne verra pas. Okay, est-ce qu'il y a un garde derrière? Ouais, c'est bien ce que je pensais, il y a un garde. On va attendre. Pas besoin de se presser. On pourrait passer ici, je sais pas où ça mène. Dans les souterrains. Est-ce que ça serait utile? C'est ça la question. Hop. Lui redescend. Nous, je pense qu'on veut monter là. Voilà, ça c'est parfait. Il y a un garde en haut. On va aller le neutraliser si on peut. Voilà. Ça s'est vite réglé. Membre de la garde urbaine. On va le laisser là, je pense pas que d'autres personnes vont monter. Il était assez isolé. Et nous on va pouvoir continuer à trouver ces runes. Voilà, j'en ai une à 31 mètres en dessous. Ici il n'y a plus rien qui marche. Ça va nous simplifier le passage. Et j'ai pas l'impression qu'on peut rentrer par l'arrière. Est-ce qu'on peut passer? Ok, il y a la servante là, il y a un autre garde, pleine piranha. L'autre garde est juste un étage en dessous, je pense. Donc on va y aller comme ça. Ça devrait bien se faire. Non. Encore un étage en dessous. Bonne fin de soirée. Je
tu vas te réveiller demain, tu vas pas comprendre ce qui s'est passé. Ok, on ramasse. Ouais, tout ce qu'on peut ramasser, grenade, ok. Je peux pas, bouteille. Okay, qu'est-ce qu'il y a? Ça on peut pas le lire. Ok, ça c'est bon. Je pense que c'est là qu'était la servante. Il va falloir faire attention. Si, est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit? Je pense pas qu'on peut aller très loin comme ça. Non, là c'est vrai, c'est vraiment les souterrains. Il y a un petit peu de minerai, mais ça vaut vraiment pas grand chose. On va remonter. Faire attention à ça. Le cœur est donc à 20 mètres. C'est vraiment pas très loin là. Je pense qu'on peut l'avoir assez vite. Peut-être au pire on anesthésiera la servante. On verra sa réaction. Oh non, s'il te plaît. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi est-ce que t'as voulu faire ça? Toi t'étais... Pourquoi est-ce que tu étais là? Donc, pourquoi je t'ai jamais vu? Le cœur, la rune est juste ici, voilà. Et on va pouvoir aller sur Vision des Ténèbres. Voilà. S'il n'y a personne d'autre. Décret officiel. Par ordre du Lord Régent, prenez fait immédiat par la présence. Immédiatement par la présence, tous les accès à Dunwall Tower sont exclusivement référés. Exclusivement limité au trafic fluvial officiel passant par les écluses, la porte officielle doit rester fermée sans aucune exception. Par l'aide du général Tata, lequel tient compte du Lord Régent. D'accord. Donc là, il est rendu vraiment parano. Bon, c'est pas très grave, hein, je pense. Je peux pas prendre des balles. Donc vous savez quoi, on va arrêter l'épisode ici, en tout cas la première partie ici, et on va se diriger vers la deuxième partie. Alors j'espère que vous avez apprécié, et on se dit à tantôt, bye bye.